Le prince Charles inquiet par ses fils? Le prince Harry et le prince William feraient-ils de l'ombre au prince de Galles? L'annonce du départ du duc et de la duchesse de Sussex a fait l'effet d'une bombe au sein de la monarchie britannique. Et il se murmure que le prince Charles ne voit pas d'un bon œil tous ces rebondissements, qui prouveraient qu'il n'est pas capable de garder le calme et la stabilité au sein de Buckingham. Selon les informations du journal britannique Express, le fils de la reine Elisabeth II estime que le prince Harry lui fait de l'ombre. Et tout cela aurait commencé en octobre, lorsque Meghan et Harry ont invité les caméras de ITV à les suivre dans leur intimité et que l'ancienne actrice révélait ses difficultés à gérer la maternité et la vie médiatisée. Une séquence qui avait ému les internautes à travers le monde entier. La demande du prince Harry de désormais s'entretenir avec la reine Elisabeth II a inquiété une nouvelle fois le prince Charles, qui redoute d'être dépassé par ses fils. Ainsi, le sommet de crise de Sandringham aurait renforcé les tensions entre Harry, William et Charles. Ce qui ressemblait à un sommet de paix était en réalité une escalade des tensions, écrit la journaliste Camilla Tominet de The Express. Beaucoup se sont demandé comment Charles, qui est l'unique parent de Harry et William en vie et leur père, n'a pas été capable de faire la paix entre ses deux fils. En réalité, les deux garçons n'écoutent pas le papa pour lequel il semblait qu'ils l'ont longtemps considéré avec une certaine ridicule affection. Le soutien de la reine dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la souveraine la reine Elisabeth II faisait savoir qu'elle a pris cette décision à la suite de discussions très constructives avec sa famille sur le futur de son petit-fils et celui de sa famille. Ma famille et moi acceptons totalement la volonté de Meghan et Harry de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Même si nous aurions préféré qu'il reste à temps plein des membres de la famille royale, nous comprenons et respectons leur vœu de vivre une vie plus indépendante en tant que famille tout en restant des membres de ma famille, écrivait-elle. La famille royale britannique trouvera-t-elle l'apaisement ?